Allez, c'est parti pour une nouvelle interview de Gestion de Fortune. Je suis maintenant avec Vincent Vallée. Vincent, bonjour. Bonjour Frédéric. Vincent, vous êtes le directeur commercial de DPAM. On est ensemble puisque vous avez été récemment, enfin un de vos fonds, NewGem, a été récemment récompensé avec un globe de la gestion. Alors d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Et puis, première question, c'est quoi cette expertise? Comment vous expliquez que c'est sorti du lot? Alors, l'expertise NewGem est une stratégie action internationale multithématique. Ouais. NewGem est l'acronyme de 7 grands thèmes d'investissement sur lesquels on souhaite investir, à savoir la nanotechnologie, l'écologie, le bien-être, wellness, d'accord, la génération Z, la e-society, le manufacturing 4.0, intelligence artificielle, d'accord, robotique, que la sécurité. On surfe sur les vagues, là. On cherche surtout des entreprises qui sont en capacité d'innovation, technique, technologique, pour aller conquérir des marchés et construire la société de demain. Ce fonds multithématique, cette thématique, c'est un fonds de fonds ou c'est un fonds en titre vif? C'est un fonds pur, action internationale, c'est du en titre vif, et plutôt concentré d'ailleurs. Ouais. Ok. En tous les cas, il a été primé avec un globe de la gestion. Est-ce qu'on peut rappeler les expertises de DPAM? Parce que DPAM, bien on sûr connaît, mais on n'a pas toujours une idée très très claire de vos bien expertises. Bien sûr. DPAM, donc, on est un asset manager belge qui gère à peu près 45 milliards d'euros. Ouais, ça commence à faire un peu oui, d'argent. Oui, les marchés aussi nous ont aidés ces derniers mois pour augmenter les encours gérés. Et on est très expert dans trois grands métiers. Un premier métier qui est d'avoir des stratégies actions, thématiques, multithématiques, ouais, européennes ou internationales. On a un deuxième grand métier qui sont les stratégies obligataires, les stratégies briques pures d'allocation d'actifs. Compliqué en ce moment l'obligataire, non? Vos confrères gérants gardent la tête hors de l'eau. On sort d'à peu près 35 ans de baisse des taux. Enfin, quand je dis on sort, on ne sait pas, mais en tout cas, on vient de 35 ans de baisse des taux. Donc, l'univers obligataire est en plein chamboulement, j'ai envie de dire. Mais il n'empêche que ça reste une classe d'actifs qui est cœur dans les allocations sur lesquelles il faut aller chercher beaucoup de valeur. On ne peut pas en faire l'économie. On ne peut certainement pas en faire l'économie. Non, et alors, troisième pôle. Et le troisième pôle, on a une équipe de gestion de mandat, une gestion diversifiée, mais qui se nourrit beaucoup des idées de gestion et de recherche de nos grandes briques pures d'allocation, qui sont les fonds actions et les fonds obligataires. Vincent Vallée, j'aimerais qu'on fasse le point sur une actu que vous avez communiqué avant l'été, je crois que c'était avant les vacances, que vous lanciez une JV avec OFIAM, une jeune venture, exactement, une co-entreprise, comme une co-entreprise, on dit en français. Tout à fait, ouais. Quid, ça prend forme? Ça prend forme puisque la société qui s'appelle SinCap Asset Management a été lancée donc juste avant l'été. Elle d'accord est basée à Hong Kong. Donc c'est une joint venture entre OFI Asset Management et DEPAM, de Groupe Petercam Asset Management. L'idée pour nous et pour eux, c'était d'avoir avant tout une maison de recherche fondamentale où on puisse loger des analystes actions et des analystes crédit qui soient basés en Asie pour couvrir l'univers, pour être local. Des actions, des entreprises qui sont basées en Asie. Donc c'est très cohérent avec ce que nous on fait. DEPAM, on est un asset manager vraiment basé sur la gestion active, la recherche fondamentale et l'ISR. Et donc on continue d'investir en permanence sur les équipes de recherche fondamentale à Bruxelles, parce que c'est notre cœur de positionnement et là où sont la plupart de nos équipes, mais aussi avec ces analystes qui sont basées maintenant à Hong Kong. Vincent Vallée, une dernière question. Cette JV, ça a apporté ses fruits quand en termes de produits? Alors, c'est très dur à évaluer parce que bon, le projet date d'il y a 2 ans, mais il a été vraiment mis en place au mois de mai de cette année, 2021. Mais c'est opérationnel, on a commencé les recrutements, donc les analystes sont actifs, ils apportent des idées, ils vont rencontrer les entreprises, donc ça va nourrir nos stratégies. On va dire dans les 2 ou 3 trimestres qui viennent, ça va apporter ses fruits. Voilà, on est en phase de montée en puissance, d'accord, mais bon, c'est clair, déjà opérationnel. Ok, très clair. Vincent Vallée, merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Frédéric. À bientôt. À bientôt.